alcoolique. Ce qu'on vous demandera, c'est de faire une photo de groupe, tous les 14 avec les points, avec la vue sur le château. Et profitez-en parce que c'est magnifique. C'est pas beau le château. Voilà. Bon après-midi. Monsieur Oriot, la tour de Frobel. La tour de Frobel. Voilà. Consigne pour tout le monde. Avant chaque atelier, vous nettoyez les mains. On se tient correctement toute l'après-midi vis-à-vis du château qui a la gentillesse de nous accueillir sur l'après-midi. Donc, faites attention aux fleurs, aux plantes. C'est pas n'importe quoi, bonjour aux gens du château qui travaillent. Et puis à 14h15 on se réunit ici, on fera un petit goûter, de façon à ce qu'à 16h vous puissiez repartir dans vos établissements. Je remercie déjà tous les collègues qui sont venus aujourd'hui, juste après la rentrée, qui vous ont amené. Je voulais les remercier tout à l'heure. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous annonce les premiers ateliers. Le groupe Léria 1 est avec l'équipe bleue. Tous les deux, je pense. Là, vous n'avez pas de trois. Là, vous êtes tous les deux au champ. Vous voyez, vous avez trois arcs bleus. Et vous avez la cible bleue qui est là. La 3, hein. Ouais, mais c'est pas grave. C'est parce que les équipes. Et l'équipe blanche, regardez. Là, deux coups blancs. Et vous avez la cible blanche. Alors, toute la cible compte. Toute la cible. À partir du moment où vous avez touché n'importe où dans la cible, c'est bon, ça fait un. Ok? Donc, on avance plus sur votre dos. Ok? Vous mettez votre cerceau, c'est pas vous qui le faites, mais vous mettez le cerceau à la cage. Moi, je vous pose une question sur le sport, sur l'Olympique, sur le sport comme ça. Si vous n'arrivez pas à sur TJ, moi je vais vous aider aussi. Ok? L'idée c'est qu'une fois que les validés c'est ok, vous repartez du jeu de loi et vous retournez. Alors attention. Et en fait la lumière nous a plus.
Voilà, t'allumes deux fois, et la deuxième lumière s'éteint. Ah oui. Et ça, on est que dans le noir. Bien les gars là, bien les blancs. Ok, 3 points, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Ah, Steven est trop fort. Et vous y allez, vous faites le tour, et vous allez à Christian. Tu fais le tour du rouge. Et là, il faudra m'en dire. C'est un bon coup. Lors des Jeux Olympiques de Paris en 1900. Ça va être de la logique, écoute bien. C'était il y a très longtemps, moi non plus, je t'ai pas né. On a utilisé de vrais oiseaux pour les épreuves de tir au pigeon. Est-ce que c'est vrai ou faux? Tu es d'accord avec toi? Les gars, c'est une équipe. Hein. Et ben, en effet, c'est vrai, parce que. Mais. Maintenant, c'est un cadre. Donc, vous pouvez retourner. Hop, vous faites le tour là. Et vous retournez tirer là-bas. Du podium, je reçois une médaille d'argent. Seconde, c'est d'argent. Super. Lequel de ces symboles ne représente pas les Jeux Olympiques? Les anneaux, un vase ou une flamme? Lequel il n'est pas dans les Jeux Olympiques? Super, allez-y. On ira après la visite, ok? On fera un petit point. Ça doit être là, Kéwan, logiquement. On va visiter l'orangerie. On met le masque. On est respectueux, surtout. Et toi, tu vas te tenir la bouche pendant 2 heures. Non, non. Bah, il fallait pas le péter. Tu veux pas péter? C'est moi qui me prends. Bonjour. C'est ce qu'ils ont rajouté après. Alors, tout simplement découvrant. Voilà. Ça servait en fait à se défendre. Quand il y avait des gens qui arrivaient, on plaçait des militaires en fait tout simplement dans les tours pour pouvoir observer les attaquants qui arrivaient et tirer avec des meurtrières, donc ils faisaient des petits trous dans les tours pour attaquer avec des arcs, etc. etc.
actuellement. On l'appelle aujourd'hui le LV14, en fait, parce que là, il y a plusieurs parties. Ici, là, les grands appels, il y avait des anciennes écuries. Et après, dans les autres pièces au rez-de-chaussée, on a fait ça une vendredie. Vendredie, en fait, c'est là, on gardait les arbres fruitiers en hiver pour pas qu'ils ne puissent les graines, etc., etc., pour les protéger. Et aussi, ça, c'était pour le rez-de-chaussée. Et à l'étage, en fait, ça servait parce que le roi était très fréquent, il n'avait pas envie de descendre du château pour aller à la messe à l'église. Donc, il passait par ici, sa chambre était juste là, il passait ici, top, et il allait directement. Non. Oui, t'es dans cette heure. Non, c'est dans cette heure. Et on était là, on était là, oh, que beaucoup de temps, voilà. 600, 700 ans. Pour ceux qui n'aiment pas les armes, je vous rassure, c'est absolument pas dangereux parce qu'on envoie juste un faisceau laser qui n'est pas dangereux ni pour l'œil ni pour la peau. D'accord ? On se détend, il n'y a pas de danger. Comment marche le pistolet ? Elle a peur, hein. Elle recule. Pour armer mon pistolet, j'ai juste à faire ça. Mon pistolet, il est armé. Et là, j'envoie un petit laser. Je vais vous montrer, elle est dans ma main, vous allez le voir là, j'ai armé et j'envoie un petit faisceau laser. Donc voyons, c'est un petit point. D'accord ? Le faisceau laser, il va aller en direction d'une cible qui est là. Alors la cible, je vous l'ai mise en mode débutant, à savoir si vous tirez dans le blanc ou le noir, vous allez allumer votre cible. Il n'y a pas que le noir qui compte, c'est toute la cible qui compte. Si vous tirez en dehors de la cible, il ne se passe rien. D'accord ? Dès que vous allez atteindre la cible, vous allez allumer votre cible. Miracle, hein ? En haut, vous avez des lumières rouges au début qui, au fur et à mesure, quand vous allez être dans la cible, eh ben, les lumières rouges elles passent en vert. Donc le but du jeu, c'est que le plus vite possible, toutes les cibles passent en vert. Il y en a 5. Dès que tout passe en vert, tout clignote. Réussite. Et tout à l'heure, pour les 5 kilotrons, vous posez vos pistolets et vous faites votre boucle. D'accord ? C'est la télé. Allez, tire ! Il y en a déjà deux parties ! Vas-y, vas-y, cours, Inès ! Yes ! Mais ça vaut pas ! Noémie, il a allumé ton truc ou pas ? J'ai l'impression que ça marche pas. Il s'est pas déclenché là ? Si, si, si. Ouais, arrivez ici jusqu'à moi ! Mais regarde, il peut. Bah, mais Alexis, toi t'as le plus dur, t'as la cible noire là, c'est plus compliqué. Oh ! Et c'est go ! Il est légèrement devant. Troisième ! Troisième ex aequo ! Mais c'est quoi ? Cinquième ! Mais c'est quoi ici, elle me fait là ? Je m'en rappelle plus. Le seul truc que j'aime pas, c'est courir. Hein. Faut équilibrer peut-être, par exemple, Kéwan, tu te mets peut-être avec, je sais pas, Inès. Là, c'est bien. Là, vas-y. Tous les deux. Top. Tous les deux. Alors, le relais est le suivant.
l'un sur les deux. Donc le numéro 1, il se met au départ, il va faire course. Tire. Le numéro 2, il viendra avec moi, il se met en attente ici. Dès que le copain ou la copine a fait course, tire, il tape sur votre épaule. Et le deuxième, c'est course, tire, et arriver ici. Hein? Ils ont gagné, Alexis, c'est bien. Deuxième. Bien, Noémie. Allez, juste à moi. Allez, Oriane, pour finir. Bravo, Oriane. Allez, on finit, c'est bien. Voilà. Bravo, Oriane. Oriane, tu cours mieux. Très bien. Allez, là on prend tout. Sans s'énerver, Steven, sans s'énerver. J'en laisse toujours une couchée. Non mais y a pas, vous pouvez pas les couper, c'est là qui va là. Voilà. Vous avez le droit de prendre plusieurs cordes quand vous êtes passé là. C'est bien déjà. Allez, on a une queue debout. Dommage, c'était bien, dommage. Très bien, là. Là, faites pas l'erreur de tout à l'heure. Vous posez. Vous posez et il faut relâcher un peu pour sortir. Relevez un tout petit peu. Aïe, 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 aïe. Allez, suivant. Celle-là, celle-là, elle est bonne. Quand vous déposez, vous devez garder l'attention. J'aime bien le attendre. Attendez, Avancez, on avance. Oui. Super. Alors, celle-ci, faites attention à la tour. Et que c'est bon, là, je vais vous la décaler. Vous la décale, pas que ce soit. Attention à tes cordes. Là, celle-ci, il faut mettre sur le côté. Une solution, essayez de monter quand même.
sur des portes qui sont assez fines et de la même. J'ai vu, donc au début, ça n'est pas du tout. Et là, à la fin, quand même, j'avais quand même mis deux points. Hein? Donc l'objectif, c'était quoi finalement? Je vais me concentrer. Là, je l'ai dit juste avant, mais oui, de se concentrer, de s'entraider, de s'écouter. Par contre, il ne faut pas rejeter la faute sur les autres, parce que j'ai fini. Donc là, vous en avez mis deux. Vous demanderez aux autres, quand chez vous, voir combien vous avez mis, parce qu'ils ont mis deux, trois, moi, je sais, mais vous leur demanderez. Peut-être que vous ne serez pas sorti. Parce que moi, je pense que ça, je pense que là, vous êtes sur un bon résultat. C'est un bon résultat. Non, mais c'est vrai. Et les autres, bah, tu leur demanderas. Vous avez mis une dizaine de minutes. Donc là, vous allez retourner cette bouteille. Je vais ranger un peu et je vous retrouve là-bas. Alors, ah, Nathan, c'était comment? Nathan? Oui. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Bien. Qu'est-ce que t'as préféré? Yes, ça a été? Ouais, t'as bien aimé? Ariane, qu'est-ce que t'as préféré comme épreuve? Le laser. Le laser run, ça m'étonne pas. Kevin, qu'est-ce que t'as préféré comme épreuve toi? Tir à l'arc. Tir à l'arc? Ouais. T'as gagné? Ouais. Mais on a pas eu gagné avec Nathan. Ah. C'est un jeu, ils ont fait ça qui est après. Ah, ils ont eu de la chance au dé. Noémie? Moi je me suis mis comme ça. Noémie, qu'est-ce que t'as préféré aujourd'hui alors? Qui? Qu'est-ce que t'as préféré? Toi t'es éclaté au sol. Non, tout? C'est moi et Lucas qui a gagné. D'accord. Ouais, mais pour moi dans mon équipe c'est moi. Tu ne pourras pas jouer avec dans l'établissement, mais tu peux la ramener chez toi. Non. Alors ça a été? Oui.